1. Étendez vos mains vers l'autel. Dis Jésus, merci. Merci Seigneur Jésus. Depuis le matin à 9h, j'étais ici jusqu'à 15h. Ça fait 6 heures de temps. Est-ce que c'est moi qui ai fait quelque chose? Moi j'ai prêché prié. Et les témoignages après. Dieu soit loué. Le temps est un peu truc, mais nous avions une bénédiction dedans. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Le dimanche prochain, nous allons entamer le programme. Et le thème s'intitule de dimanche à l'autre dimanche. Mais le mercredi, depuis un temps, nous avions entamé une marche tous les mercredis. Et cette marche va continuer le mercredi. La directive de pommes que nous avions, que vous-même vous aviez consommé à la maison. Ces témoignages sont venus. Nous allons les écouter ici. Amen. Amen. Le mercredi prochain, si tu restes à la maison, ce qui veut dire que tu veux être pauvre jusqu'à la fin de ta vie. Amen. Ça ne sera pas facile. Et le dimanche, nous allons continuer. Bien-aimé, et tout ce que je fais ici, comme tu le sais, je le fais dans la crainte de l'Éternel. La sainte scène que nous avions consommée, et l'homme de Dieu a demandé à ce que tout le monde aille cacher la boîte. Nous avions écouté ces témoignages ce matin, voyant l'évidence dans la vie de notre frère. Alors ce que nous venons de consommer maintenant, crois que les problèmes qui sévissent dans ton âme sont exterminés et totalement détruits. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus. Je prie pour toi. En demandant la protection de la puissance divine sur toi. Et que la grâce te protège. Que les yeux de l'Éternel soient sur toi. Que cette semaine soit une semaine bénie pour toi. Partout où tu passeras dans cette semaine, sois béni. Et que dans cette présence où tu es congédié, qu'elle soit avec toi dans la semaine. Jusqu'à ce que tu ne rentres chez toi à la maison. Que des surprises agréables. Suivi des appels. Nous prions pour nos bien-aimés qui sont à l'étranger. Et que la grâce de l'Éternel les touche. Que les portes s'ouvrent dans vos vies. Que ce que vous aviez demandé à l'Éternel se réalise dans vos vies. Et ayez la douceur, la paix. Suivi du foyer. Que Dieu donne la paix à vos enfants. Je demande la protection divine pour vous, sur vos enfants, et vos maris, et vos entreprises. Et chose qui est sortie à l'homme maintenant, et partout c'est incendie, et la boutique a pris feu, suivi des magasins. Toute personne qui vient dans ce temple, si le feu brûle jusqu'à ta boutique, ce feu s'éteint. Accident. Et coup. La mort. Attaque. Les attaques. Avec le sang, nous mettrons la barrière contre cela. Les attaques des voleurs. Avec le sang, nous fermons ces portes. Que le Seigneur mette les gardes sur tes murs. Au nom de Jésus.
Que la semaine soit une semaine bénie pour toi. Que la parole que tu as écoutée mette la vie dans ton âme. Pour que tu reviennes avec les témoignages. Tu es congédié avec psaume 23. Tous les matins. Dicia nous dit, lis psaume 23 avant de quitter la maison. Tu reviendras avec les témoignages. Au nom de Jésus. Amen. 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 Posez vos mains sur vos têtes. Abraham Dieu d'Abraham, Isaac Dieu d'Isaac, Jacob Dieu de Jacob, David Dieu de David. Toutes ces paroles que j'ai écoutées, les paroles de la bénédiction intervenues dans ma vie, quelle œuvre dans ma vie, au nom de Jésus. Shalom, shalom. Shalom. Bye bye. Bye.